Salut à tous, c'est reparti pour une petite sortie dans le froid et la grisaille. Alors on est le 23 janvier, donc voilà, c'est le quotidien. Alors j'ai vu un peu le soleil hier à Hauteville pour un petit trail. Ça fait du bien de voir du ciel bleu, du soleil. Mais aujourd'hui, dimanche, c'est pas ça. C'est pas ça, la vie des Morgans. Donc là, on va partir pour 25 km, à peu près 500 mètres de positif, histoire de. Ça fait plaisir de rouler, même si la météo n'est pas de la fête. Alors, il fait un peu frisquet, on a 2 degrés. Alors heureusement on n'a pas le vent qu'il y avait hier, parce que c'était juste pas possible. Mais là c'est frisquet, c'est les descentes qui vont être éprouvantes. Mais bon, on aura de quoi se réchauffer dans les côtes. Alors comme on peut le voir, la taille des vignes est en cours, donc c'est plutôt bon signe. On se rapproche doucement du printemps. Elle est sympa cette partie. Alors pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, j'ai passé à plusieurs reprises, mais l'année dernière, à peu près jour pour jour, c'était enneigé ici. J'avais vanté les mérites des pneus Schalb qui ont un grip qui est assez bluffant dans des conditions un peu extrêmes. Ah, j'ai mouillé le bout des orteils. Ah, c'était pas encore indispensable. Je commence tout juste à me réchauffer un peu. Mais bon, hein, gravel, hein. Non, mais on va tout droit dans le brouillard. C'est pas grave. On appréciera d'autant plus le retour au chaud. Pas évident de trouver la motivation en ce moment. Mais bon, après c'est
le plaisir de rouler, de se dépenser, qui prend le relais. On arrive à Saint-Joseph par le sud. On aperçoit les clochers légèrement à droite à travers les arbres. Donc au niveau du parcours, on va passer en dessous du fût d'Avenat. On prend le col de Durbise, ensuite col des Labourons, la Madone à Fleury et retour à Villers par la route. On replonge dans la caillasse pour arriver au col de Durbise. Alors la caillasse, c'est un peu de boue quand même. Les petites marches, hop. Ah, il y en a qui se sont fait plaisir en enduro là. Le sol a été fraîchement retourné. Allez, le petit mur en face. C'est le prix à payer pour arriver au col de Durbise en espérant que ce soit praticable et qu'il n'y ait pas trop de pièges. Bon, si on est passé là, ça devrait aller jusqu'en haut. Yes. Là, on est vraiment dans le brouillard. C'était latent. Là, on est vraiment dedans et on le sent bien. Au niveau de la température. Bonjour. Thank you.
sens bien, il y a eu du changement au niveau du paysage. Hein. Au niveau du sentier aussi. Ouais, c'est, on ne sait pas si on est dans le registre sentier ou chantier. Alors là, on est sur une portion qui est un peu délicate. Voilà, je me suis laissé emporter à gauche. Ah, j'ai jeté un œil à mes pneus qui sont d'origine, donc les Chalbes All Round, donc qui est origine et qui ont donc à peu près 2000 km, et normalement je n'aurais pas tardé à les changer pour monter enfin mes Hutchinson Touareg. En 42 sections, sachant que là je suis en 35, donc hâte de voir la différence et le gain d'agrément en sentier, donc à suivre. Là on va passer à la Madone, au-dessus du village de Fleury. Normalement, joli panorama sur le Val de Saône aussi. Là, on verra pas grand chose, mais bon, c'est comme ça. Voilà, on a Fleury juste en face, en contrebas. Et la chapelle de la Madone devant moi. Alors c'est très touristique ici. Beaucoup de passages, mais vu la météo, c'est désertique. Voilà, un joli point de vue avec une table d'orientation. Allez. Ah, c'est du sport, hein. Allez, un petit hop. Ah,
terminé pour la partie sentier. Là, on va rentrer à Villers par la route en traversant Fleury. Ça y est, la boucle est bouclée. Retour à Villers. Allez, un petit chocolat chaud et une bonne douche et ça le fera. Parce que froid aux mains quand même. Bon ben, j'espère que cette petite sortie vous aura plu. Je vous souhaite un bon dimanche et puis à une prochaine sur le vélo. Allez, à bientôt, bye.